Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour l'ouverture de cette Pokébox Mentally V. Il y a à l'intérieur pas moins de deux boosters Star Étincelante, donc ça promet peut-être une belle surprise. On n'est jamais sûr évidemment avec les boosters Pokémon, mais si on ne tente pas de les ouvrir, ben on n'aura pas de belle ultra, hein, tout simplement. Alors il faut savoir que cette Pokébox, je l'ai trouvée chez King Jouet. J'avais un petit bon de 5€, elle m'a coûté 20€, et puis en plus j'ai eu la chance d'avoir la petite carte Mewtwo offerte, petite carte de Star Étincelante, très jolie. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire le tour chez vos King Jouets pour essayer de mettre la main sur cette petite carte offerte. Ça fait toujours plaisir d'avoir des cartes offertes. Alors on a, je trouve que c'est sympa quand même, la petite carte promotionnelle, la numéro 201. Je trouve que c'est joli l'encart comme ça. Le seul problème, c'est qu'on a certainement plus facilement abîmé sur les bords. La façon dont elle est mise comme ça, je ne suis pas certain que ça soit vraiment idéal. On risque d'avoir plus de défauts. Voilà, donc Mentally V, on va la mettre sous sleeve tout de suite. Très important, protéger la carte. Surtout que ce sont des très jolies cartes promo. On retrouve donc, magnifique, hein, la figie de Mentally. Elle existe avec... ici Nymphali, mais aussi Noctali. Voilà une variante. Il y a trois Pokébox différentes et on retrouve donc nos boosters. Alors je me souvenais plus ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a du style de combat, il y a du ténèbres embrasé et il y a les deux boosters très recherchés. Moi j'aime bien Star Étincelante, franchement c'est une très belle série. Faut y aller tant que c'est disponible. Je sais pas après s'il y aura du restock, des réassorts, mais en tous les cas, je trouve qu'elle est géniale cette série. Allez, on va commencer par style de combat. Où là il y a moins de chances d'avoir quelque chose de sympa. On le sait, un style de combat, ça c'est. Alors il y a de très belles cartes, hein. Franchement les oiseaux légendaires là-dedans sont incroyables, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir des ultras, hein. On le sait, hein, c'est comme ça. C'est super sympa maintenant avec Star Étincelante. Ils ont un petit peu augmenté leur taux et c'est vraiment très appréciable pour les collectionneurs, hein, évidemment. Un Coléodome, on a Dimoclé, Excellangue, le petit Voltoutou, l'Épidonil, Monsieur Mime de Galar, on a un Spoink. Allez, on arrive à la Reverse avec une très belle Reverse, franchement, Ramolos de Galar, très sympa. Et on a le petit Mimiki qui tombe. C'est pas la carte la plus folle, mais ça fait plaisir. Et on commence très très bien cette ouverture et que je vais mettre directement sous sleeve. Petite Mimiki qui tombe. Décidément, en ce moment, des Mimiki, j'en ai là à la pelle. J'en ai eu beaucoup, surtout de la série. Est-ce qu'il y a un petit... là, ici. Je me demande si c'est un petit défaut ici parce que ça a pas l'air de partir. Et j'ai pas du tout envie de gratter, évidemment. Surtout pas. Alors, il y a un petit point. Est-ce que je pense pas que ça soit d'habitude là. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Allez, on attaque maintenant. Deuxième booster avec du ténèbres embrasé. Alors, le ténèbres embrasé, je le dis plus. Hein. C'est la série qui m'a apporté chance. Vraiment, j'ai fait des ouvertures incroyables. N'hésitez pas à aller sur mes anciennes vidéos. Des ouvertures incroyable avec du ténèbres embrasé. Ça a été la folie, ça a été ma série. Vraiment ma série. J'ai pioché les cartes de dingue. Le soin de l'éleveur Pokémon, un petit Galifeu. Et Tourvol, on a du Snowball, on a un Tauros, un Minisang. Le Monsieur Mime, je ne l'ai pas déjà vu celle-ci. C'est incroyable, non? Ah oui, non, mais il était là. Ouais. Ok, Monsieur Mime de Galar, on a un Dynavolt, on arrive à la Reverse avec Flamajou et on aura Poulargriffe en rare. Donc autant dire rien sur le booster Ténèbres Embrasées. Et là on croise les doigts. Parce que là, on peut avoir du lourd, du très très lourd. Deux ultras par un booster, c'est possible. On va commencer par Farfadet Duvet que j'ai eu en V-Star. Très content, ça a été ma première V-Star. Alors comme d'habitude, hop, je glisse le booster sur le côté parce que l'objectif, c'est, je fais pareil que vous, hein, je ferme les yeux quand j'ouvre le booster, je vire le code, je le jette par terre pour éviter d'avoir cette information supplémentaire au lot minimum quand on a un code noir. Allez, 1, 2, 3, 4 et on y va et on garde le suspense jusqu'au bout. Allez, la carte énergie, le bassin de magma. Colomar qui s'est barré, l'Hyperball, on a un petit Skelenox, Farfadet Duvet
Écrapins, Magma, je crois qu'on est là, on est sur la reverse là. Ah, ouh, oh, mais Mickey, mais c'est pas possible, on a le petit Mimiki qui tombe encore. Franchement, j'ai énormément, elle est magnifique, mais franchement c'est top. Je suis refait sur cette série-là. Elle est exceptionnelle. Attendez, faut que je regarde. Est-ce que je l'ai sous la main, la petite Mimiki que j'ai tirée il n'y a pas très longtemps? Hop, ben non, je la trouve plus. Bon, faut dire, c'est tellement le bazar. Mais en fait, ça fait vraiment plaisir. Elle est magnifique. Hop, on n'a fera pas le doublé. Etran est sympa aussi. Oh là là, mais cette série, je l'adore. Franchement, cette série, elle est folle, folle, folle. Je la trouve géniale. Hop, oh, franchement, je fais gaffe hein, parce qu'elle est tellement belle. Tellement belle. Attendez, je vais regarder. Je pense savoir où elle est. Elle est ici. Et oui, la Mimiki VMAX. Et maintenant, la Mimiki V. Dites-moi un petit peu en commentaire laquelle vous préférez. Et moi, franchement, c'est celle-ci. Je la trouve géniale. Là, quand elle entre, elle ouvre la porte comme ça, je trouve ça génial. En tous les cas, ça fait super plaisir. Et deuxième ultra sur cette ouverture. Et quel ultra! Et il me reste encore un petit booster, mais je suis super content. Mimiki V qui tombe en TG. C'est génial. C'est juste génial. Dernier booster. En plus, une Pokébox à 20€ avec la petite carte promo qui fait plaisir, c'est vraiment le top du top du top. Allez, dernier, on ferme les yeux, on se spoile pas. Pour l'information, autant on peut être déçu en plus, hein, si on a le code noir et puis on se dit, bon, il va y avoir peut-être qu'il y aura une ultra et on drop une holo, c'est toujours un petit peu la déception. Allez hop, dernier booster. Ça serait énorme, hein. Encore une, mais bon, j'y crois pas. Là, on a déjà fait un tirage de dingue. Allez, Mustaflo, on a le gant de chasse, Vibra Nymph, un petit Stalgamin Tarinor, un petit Deden, Polarum, on a Lixier, non, Balbuto, est-ce qu'on... Aïe, aïe, oh non, Chenicelle, ah, secours. Pas Chenizel, s'il vous plaît, pas Chenizel. Bon, franchement, je suis content. Je suis très, très content. Je vous remonte alors, voilà, les hits. Mimiki V et Mentali V. Franchement, très sympa. Et puis, bon, le reste, rien d'exceptionnel. Etran, je le trouve plutôt joli. Belle petite carte. Et franchement, donc, comme je vous avais dit, j'aime bien les Mimiki en ce moment. J'ai plein de Mimiki. Voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo t'aura plu. N'hésitez pas à faire un tour. Je la remontre chez King Jouet. Voilà, pour 25€, il y a la carte qui est offerte. Franchement, c'est vraiment top. N'hésitez pas à la demander s'ils l'ont reçue ou pas. Allez, je vous dis à très très vite sur la chaîne. Et pour de prochaines ouvertures, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours les petits boosters qui vont arriver destinés à Dieu. Et puis, je réfléchis à vous proposer d'autres items à l'ouverture. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.